à tous, c'est Lucie Z et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous tourner un chit-chat make-up. Donc je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo. Ça fait, il me semble... En fait, c'est un peu compliqué. J'avais pré-filmé certaines vidéos et d'autres que je n'ai pas... Je reviens, j'arrive. Stop playing with me, I'ma make you my wifey. Me revoici, donc durant ce chit-chat, donc ce chit-chat va expliquer un petit peu le pourquoi et le comment de mon absence, voilà, de ma petite absence. Ma dernière vidéo date d'un mois, sachant que je commençais à être de moins en moins régulière depuis un petit moment. Heureusement j'avais pré-filmé quelques vidéos, donc je suis absente depuis environ 2 mois et demi, 3 mois. Et j'ai mis quelques vidéos que j'avais pré-filmées entre temps et une que j'ai pu filmer. Voilà, mais voilà, je suis absente depuis un petit moment et je tenais à m'expliquer, à vous en parler. Et certains d'entre vous, je pense que je vais peut-être commencer à me préparer. Je suis un peu en sueur parce qu'il fait assez chaud et en fait il fait pas si chaud que ça. Mais le souci c'est que j'ai l'éclairage qui vient directement sur moi, donc ça me donne chaud. Ah, j'ai déjà fait mes sourcils au préalable, pourquoi je ne sais pas, mais j'avais pas vraiment envie de les faire en vidéo. Ça, donc je vais me passer une lingette sur visage et il faut que je commence à vous parler tout simplement du pourquoi, de mon comment, de mon absence et de vous parler un petit peu de tout. On va parler de plein de choses aujourd'hui. Voilà, on va parler de plein de choses. Donc du coup, ça fait environ un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne, sachant que la dernière vidéo a été pré-filmée, donc je l'ai filmée il y a un petit moment. Elle date de... je sais pas, en tout cas les dernières vidéos étaient un petit peu voilà, pré-filmées. Donc du coup, je suis officiellement absente, enfin j'étais officiellement absente depuis un mois et officieusement du coup depuis 3 mois, je crois, 3 mois et quelques. Donc il y a eu pas mal de petites choses, pas des trucs de fou. Certaines d'entre vous m'ont envoyé des messages sur Instagram, sur Snapchat. Déjà j'ai eu beaucoup de messages et je tiens à vous remercier du coup de tout votre engouement par rapport à mes vidéos sur le concours infirmier. Parce que j'ai eu plein de messages et tout. J'ai eu du positif comme du négatif aussi. Une personne qui m'a dit du négatif et une autre aussi. En fait, je vais vous raconter un petit peu. Donc, j'étais en cours et du coup, c'est quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu fais des vidéos ?» On en a discuté un petit peu. Et une autre qui est venue et qui a dit « Oui, tu connais la fille qui fait des vidéos. Je trouve ça super osé et tout, de donner des conseils, etc. » Et après, elle s'est reprise. J'ai dit « Bah, je crois que la fille, c'est moi, tu vois. » Et elle a dit « Non, je crois pas que ça soit toi et tout. » J'ai dit « Si, si, je vais montrer et tout. » Elle m'a dit « Non, c'est pas toi, t'inquiète et tout. » Mais je pense que c'était moi dont elle parlait. Mais bon, après, voilà, ça me dérange pas vraiment. Et une autre fille, du coup, c'était un commentaire. Non, c'était pas un commentaire. C'était sur Snapchat qui m'a dit exactement la même chose. Du genre, pour qui je me prends pour donner des conseils, voilà, que c'était assez malvenu de ma part, que je n'ai pas la science infuse, etc. Et de plus que bientôt, il n'y aura plus de concours infirmier, donc ma vidéo ne sert strictement à rien. Elle m'a dit de cette manière-là, mais c'était dit assez gentiment et c'était fair play. Moi, je le répète comme ça, de but en blanc, mais voilà, elle a bien parlé, c'était dit, c'était... Son message était néanmoins constructif et... Elle me donnait tout simplement cette là critique tant qu'elle est constructive et tout simplement son avis, elle m'a donné, voilà, elle a bien argumenté, donc moi ça me dérangeait pas. Donc après je lui ai dit le pourquoi du comment, donc c'était sur Snapchat. Donc du coup on a discuté, j'ai écouté ce qu'elle me disait, après je lui ai dit que déjà pour ma vidéo je donnais juste des conseils à mon échelle, ça veut dire que j'ai pas parlé et oui, et elle m'a dit qu'elle estimait que c'était un peu plus se vanter, etc. Pour moi, je ne l'ai pas fait pour me vanter parce que j'ai aussi parlé d'un concours que j'ai raté. Voilà, j'ai passé 2 concours. Un que j'ai raté, hein, voilà, je n'étais pas très contente. Mais je parle des points négatifs, je parle des points positifs, je parle de ce que je rate et autres. Donc, j'ai parlé de ce que j'ai raté, de ce que j'ai eu, de mes expériences, de ce que j'aurais pu mieux faire. Parce que pour moi, il y a plein de choses que je n'ai pas fait. Et voilà, des choses que j'aurais pu améliorer et ce n'était vraiment pas pour me vanter. Et, autre, et elle m'a aussi dit de faire attention parce que je ne suis pas encore diplômée. Et si ça se trouve, mes années, je les raterai. J'aurai des rattrapages, j'aurai autre chose. Et là, je lui ai dit que j'en parlerai probablement. Parce que bon, l'échec, c'est pas une fin en soi. Pour moi, l'échec, on doit tous échouer. J'ai déjà échoué mais un nombre de fois incalculable, je dirais, dans ma vie. Et je pense que je continuerai à échouer. Mais j'ai plus forcément
peur d'en parler parce que l'échec ça fait partie de la vie tout simplement. Sinon je vous aurais pas dit que j'ai raté un concours aussi, j'ai raté plein d'autres choses, non j'ai l'échec ça fait partie de la vie tout simplement. Et voilà quoi, donc on a parlé de ça, un petit peu d'échec. On a parlé, je vais mettre une base un petit peu sur mon visage, donc voilà, je vais mettre cette base-ci, je l'ai eu dans ma glossy box. Donc voilà, elle m'a aussi dit que oui, que je risquais de me... Imagine que j'échoue, et c'est vrai que je peux échouer, sachant que là, j'ai fini mon premier semestre, et je vous avouerai que c'était quand même un petit peu difficile, hein, je vais pas le cacher. Je dis que vraiment, c'est pour donner des conseils à tout le monde, quoi. C'était pas non plus pour... Exemple, moi j'ai une amie, avant que je passe le concours, qui était déjà à l'école d'infirmière. Et je sais que c'était pas une personne non plus... je sais qu'elle... Je savais le nombre de fois qu'elle l'avait raté. Je... Voilà, des fois on a besoin d'un conseil de personnes lambda. On n'a pas... Voilà, j'ai parlé avec mon cœur en fait. Je vous ai juste dit ce que je ressentais, bah, que j'étais heureuse. Je l'ai dit parce que j'étais super contente après. J'étais vraiment, vraiment très contente. Je me maquille vraiment à la va-vite. En plus, je dois sortir tout à l'heure. C'est vraiment un maquillage... assez illico-presto quoi. Donc du coup je trouvais ça, elle me l'a bien expliqué son pourquoi du comment, et quand j'ai vu qu'une fille aussi de mon école m'a à peu près dit la même chose, mais après elle m'a dit non c'est pas de toi qu'il s'agit et tout, après je lui ai dit c'est vrai qu'il y a plusieurs filles qui font des vidéos sur les concours, je suis pas la seule, elle me faisait comprendre que je me vantais alors que non je me vantais pas, oui j'étais contente de l'avoir mais je me vantais pas, et elle me disait entre guillemets qui j'étais pour donner des conseils, et elle a raison, je suis personne pour donner des conseils, mais moi voilà, donc moi j'estimais clairement que oui, si j'avais envie de donner des conseils, je pouvais. Combien même je ratais, combien même, voilà, je continuerais un petit peu à donner des conseils. Après, on a pu discuter comme des adultes. Je lui ai donné mon avis, elle m'a donné le sien. Et on discute un peu de temps en temps. Elle est vraiment sympathique. Je sais pas si je suis floue. Ouais, je suis pas floue. Ah, si vous avez suivi mon vlog, du coup, où j'ai changé de lunettes. Donc c'était ces lunettes là qui se sont cassées, donc elles se sont littéralement cassées, elles étaient rouillées sur la monture, bref c'est des lunettes le petit lunettier, je suis archi déçue. Pourtant ils avaient été très réactifs, ils m'avaient envoyé d'autres branches, parce que bien sûr en un mois, des branches qui se rouillent, valait mieux qu'ils me fassent un petit geste commercial je trouve. Enfin ils étaient pas obligés mais bon c'était dans la suite des choses je pense. Du coup je reprends, donc oui elle a compris je pense ma façon de penser. Et comme je vous l'ai dit, elle a compris, elle a mieux regardé ma vidéo, elle a dit que c'est vrai que tu parlais de tes échecs, de tes appréhensions et tout. Et du coup, cette demoiselle, on se parle souvent, mais vraiment souvent, et je la trouve super sympa. Et on doit normalement se voir cet été, donc vous voyez à quel point que même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, bah, au final on peut bien s'entendre. Voilà. Si vous parlez du pourquoi, du comment de mon absence, donc je suis absente depuis ouais, quelques temps, donc je vous ai filmé un vlog. Je crois où j'allais en stage. Hop. Je me maquille, elle va vite les gars. Faut pas faire attention hein. Je vous dis faut pas faire attention, vous serez choqués. Donc je vous ai filmé un vlog sur mon départ en stage. Enfin où j'allais en stage, c'était une journée de stage. Je crois que c'était une journée de fin de stage. Je sais pas, il me restait 2 jours quoi. Je vous l'ai pas mis en ligne tout simplement. Donc dites moi si vous le voulez en ligne et je vous le mettrai. C'est un petit vlog plutôt tranquille. Après on voit pas vraiment mon lieu de stage, mais on voit... Je crois qu'on me voit me préparer parce qu'il est déjà monté. Hein. Il faut juste que je le mette en ligne. Et en tout cas, voilà, c'était le dernier vlog que j'ai filmé, mais je ne vous l'ai pas mis en ligne. Tout simplement, je ne sais pas pourquoi, mais je ne vous l'ai pas mis en ligne. Ça fait très spécial comme ça. Et donc, du coup, j'ai déménagé donc en plein milieu de mon stage. Je crois 2 semaines, ouais, en plein milieu de mon stage. J'ai déménagé... Oh, j'ai pas mis de base. Ah si, j'ai mis la base, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, j'ai déménagé. Donc, j'ai pris un studio étudiant. Donc, comme certains, et certaines, surtout certaines, je pense, le savent. J'ai habité avec ma mère, donc ma mère est venue habiter chez moi, du coup, en Ile-de-France. Et du coup, elle a gardé l'appartement et moi, j'ai déménagé, tout simplement parce que je ne travaille plus, donc j'avais plus le même salaire, clairement. Et qu'il me valait mieux un studio beaucoup plus petit et que je puisse tout simplement réviser, voilà, tranquillement. Sachant qu'avec tout ça, j'ai pas vraiment pu réviser non plus, mais bon. Donc du coup, j'ai pris un studio étudiant que j'ai eu, bref, voilà. C'est un studio étudiant et il me convient parfaitement. Donc normalement, je serai dans ce studio pendant 3 ans. J'espère que ça se passera bien, hein. J'espère vraiment que ça se passera bien. Mais ouais, c'est un petit studio étudiant et il est cool. J'ai même un petit balcon et j'ai su que j'avais le balcon le jour de la visite, donc j'étais archi contente. J'étais vraiment toute contente, je me suis dit, hey, cool quoi. Un petit balcon
Et ouais, donc voilà, c'était le déménagement, le temps de faire le déménagement. J'avais quand même pas mal d'affaires à ramener. J'allais en stage en même temps. Le week-end, j'avais déjà des choses de prévues, etc., etc. Et ouais, donc du coup, j'ai cherché rapidement. Et vous savez, dans les résidences, il faut faire une demande. C'est pas comme un appartement lambda où tu visites, tu poses ton dossier et tout. Là, il fallait faire une demande. La demande a été acceptée, donc voilà, c'était cool, mais voilà, c'était un peu plus long. Donc du coup, quand ça a été accepté, bah, je suis rentrée quand ils l'ont voulu, quoi. Donc du coup, il fallait que je m'arrange avec mes propriétaires, etc., etc. Bref, en tout cas, ça, c'était long à faire. Ouais, c'était long, c'était chiant. Voilà, c'était chiant. Mais en tout cas, j'ai déménagé, donc là, c'est l'une des raisons pour laquelle je postais pas vraiment de vidéos. Et aussi, je vais pas forcément vous le cacher, voilà. Parce que certaines d'entre vous me l'ont demandé, sachant que je montrais des choses sur Snap. Donc si vous ne m'avez pas sur Snap, enfin, j'ai un Snap un peu famille, amis, et j'ai un Snap où il y a de tout. Mais en tout cas, je le montrais sur Snap aussi. Donc sentimentalement parlant, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Je pense que vous m'avez comprise. Donc le temps de m'en remettre un petit peu, le temps de... En plus, je déménage en même temps. Le temps de me poser, de me questionner aussi. Je me suis posé pas mal de questions. Je me suis, voilà, le temps que ça aille mieux. Et je vous le dis parce que cette personne, je l'avais montré sur Snap à un moment. Et du coup, j'ai eu plein de questions à propos de ça parce que du coup, je le montrais plus. Je crois que j'ai montré une fois sa tête. Et après, soit je montrais une partie de lui, genre ses chaussures ou voilà. Donc plein d'entre vous m'ont posé des questions et là c'est le maximum d'entre vous je crois. Parce que d'habitude j'ai toujours une ou deux questions un peu générales. Mais là je crois que vous étiez 10 à m'avoir posé cette question là. Ah tiens, on voit plus, nanani nanana. Donc c'était pas fun mais c'était... Ouais, je me disais que j'allais vous répondre en vidéo, ça serait plus simple. Et voilà, donc c'est à peu près ça, le pourquoi, le comment de mon absence. J'ai déménagé. Hop. Ouais, je vais me mettre. Comme je vous ai dit, c'est vraiment... Je crois que je suis floue. Je sais pas si je suis floue ou pas. Comme... En plus, je crois que j'ai même pas bien estompé, les gars. Vous me dites rien et tout. C'est archi mal estompé, vous me dites que dalle. Bref, je vais mettre un petit peu de poudre, histoire de matifier un peu tout ça. Hop. Voilà. Je sais pas. Franchement, je sais pas comment vous me trouvez. Franchement, je vous dis clairement, je sais pas comment ça va rendre à la caméra. Parce que là, je me vois avec le miroir et tout, mais... Je vais me dessiner le contour de mes lèvres. Et sinon, moi, pour ma part, je vais bien. Je vais vraiment bien. Je vais mieux, du coup. Parce que vous imaginez qu'après tout ça, et aussi c'est vrai pour mes révisions, le fait de déménager, le fait d'avoir voilà, des petits problèmes sentimentaux, c'était pas le must. Hein. Voilà, et pour les vidéos à venir, je pense que j'essaierai vraiment, je ferai mon possible en tout cas d'être plus présente. Hop. En tout cas, oui, j'espère que bah, vous continuerez à regarder mes vidéos et que vous aimez, qu'elles vous plairont toujours. J'ai aussi comme projet de faire plus de vidéos avec ma sœur ou peut-être même une petite chaîne. Rien que moi et ma petite sœur, histoire qu'on fasse pas mal de petites choses toutes les deux. Sachant qu'elle y a plein de vidéos qu'elle aimerait faire et que moi, je me verrais pas faire en fait. En tout cas, pas sur ma chaîne, en tout cas, je sais pas. Parce qu'elle est très... Bah, elle regarde pas mal de petites vidéos, elle a plein de petits youtubeurs qu'elle aime bien. Et je pense que ça l'intéresserait vraiment de faire des petites vidéos. Donc je pense faire plus de vidéos avec ma soeur sur cette chaîne. Ou encore faire une chaîne où on fera des vidéos de temps en temps. Où elle sera contente de pouvoir... Voilà, je crois que j'en ai mis trop. Oh là là. Bref. Spike. Donc, me revoici. J'ai été dans la salle de bain vite fait pour regarder. Et oui, c'est un peu plus... Voilà, ma carnation a pas mal changé. Après, on est en été. Il fait vraiment chaud. Et je pense que j'ai pas mal bronzé aussi. Pourtant, j'ai mis que mon correcteur parce que j'avais pas envie de mettre de fond de teint et tout.
Mais je pense qu'en hiver ça passe, hein, quand je mets juste mon correcteur. Mais en été ça passe moins, donc j'aurais dû miser sur mon fond de teint qui lui est un peu plus foncé. Donc mon fond de teint c'est le Milani. Donc voilà, donc il est un petit peu plus foncé, mais après il est très... Je brille vraiment beaucoup avec. Alors déjà que je brille rien qu'avec le correcteur, je me suis dit bon, ça va quoi, on va pas rajouter le fond de teint dessus. Mais ouais, donc du coup il y a une petite démarcation. Mais je vais pas me remaquiller, je dois vous filmer une autre vidéo, je serai habillée comme ça. Donc voilà, ça sera comme ça tout simplement. En tout cas, je vous l'ai dit, donc ne soyez pas choqués. Je pense que c'est trop clair pour l'été et j'ai dû bronzer pas mal. Voilà, en hiver ça passe bien, mais en été ça passe pas. Et c'est comme ça, mais je ne me changerai pas. Désolée, j'ai trop la flemme les gars. Bon, j'espère que ce petit chit-chat make-up vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous le tourner. Discuter un petit peu, vous parler un peu de ma vie, mes ressentis, etc. J'aime bien. Si ce genre de vidéo vous plaît, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des idées de vidéos à me proposer, dites-le moi en commentaire encore. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas posté, mais j'espère que vous continuez à me suivre et que je pourrai reprendre tranquillement. En tout cas, j'adore interagir avec vous. Donc n'hésitez pas à venir me parler sur Snap, etc. Je discute beaucoup avec pas mal d'entre vous et ça me fait très très plaisir. Donc, ça me fait très très plaisir. Ça me fait plaisir quoi. Donc je vous fais des bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.